J'ajoute des prises de courant dans ma cuisine. Vous avez besoin de prises supplémentaires pour brancher vos appareils dans votre cuisine? Alors la solution, c'est le bloc de 4 prises pré-câblées Céliane. Nous allons vous montrer comment remplacer une double prise par un bloc de 4 prises en utilisant les fils électriques existants. Pour réaliser ce bricot, il vous faut une prise de courant quadruple pré-câblée et sa boîte d'encastrement, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, une perceuse et une scie cloche, un gabarit de perçage le grand, un crayon à papier, une petite scie à placo. Votre matériel est prêt et à portée de main? Avant de démarrer, coupez le courant au disjoncteur, le geste indispensable avant toute intervention électrique. Démontez la prise existante. Pour cela, dévissez d'abord la plaque à l'aide du tournevis cruciforme, retirez-la, puis dévissez le mécanisme. Sortez-le de la boîte d'encastrement et débranchez les fils que vous réutiliserez pour brancher la nouvelle prise. Dévissez les pattes de fixation de la boîte d'encastrement et sortez-la du mur. Placez le gabarit de perçage dans l'axe de l'ancienne prise. Avec le crayon, repérez l'endroit où vous allez percer. Retirez le gabarit et percez le trou avec la scie cloche. Replacez le gabarit et tracez en haut et en bas vos traits de découpe. Maintenant, sciez le placo restant pour dégager l'espace. Placez la nouvelle boîte d'encastrement en veillant à casser au préalable une languette latérale pour le passage des fils. Serrez les vis de fixation et desserrez les vis d'ancrage pour installer le mécanisme du bloc 4 prises. Raccordez les 3 fils électriques au mécanisme en respectant bien les couleurs des bornes et des fils. Vous avez 2 câblages possibles, à gauche ou à droite, en fonction de la configuration de votre installation. Insérez la prise quadruple et revissez les vis d'ancrage. Il ne vous reste plus qu'à clipser la plaque de finition sur le mécanisme. Vous pouvez maintenant remettre le courant et profiter de vos nouvelles prises.